Bonsoir tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et bienvenue dans le labyrinthe des souvenirs, ce cher endroit où on nous demande 15 Fogald et que c'est impossible de les trouver. N'est-ce pas? Moi je te propose de regarder c'est quoi la guilde de la boue. Oui non, parce que cette scénette elle est sortie de nulle part. Hein. Les ennemis courent se cacher. Je les ai entendus chuchoter, voilà l'armée invincible de courage de Vesperia. Je me manque de savoir combien d'ennemis nous avons battus, vous avez trop confiance en vous. J'ai l'impression qu'aucun ennemi n'est capable de nous résister en ce moment. On est tellement au level là, maintenant que c'est fini. Vous met pas mal à l'aise d'être aussi fort? Moi un petit peu quand même, j'avoue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien si tout le monde a peur de nous, si plus personne ne veut nous approcher... Peut-être qu'on nous capturera pour nous exhiber dans une cage. Je pense pas que ce soit très probable. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Oh non, ça arrivera jamais. Hey, une vie de luxe dans une cage avec des gens en petits soins pour moi, je trouve pas ça si mal. Que soit leur force, certaines personnes ne changeront jamais. Hé, tu peux parler, Yuri? Bref, bonsoir à tous ceux qui arrivent, nous y sommes, la confrontation contre le traiteur du ciel est là. Est-ce que tu veux ramasser ce coffre pour, oui, bien le... Sûr, bien sûr. Pour le fun? Bah, pour le fun, bien sûr, on va le ramasser. Bon, bah voilà, on a cherché les 100 galdes, les 100 galdes. Ouh, les 15 galdes en off. Ouais, on a fait 3 runs supplémentaires, sachant que les deux premiers, ils ont donné 1 galde, et les autres, on en donnait 8. Et j'en ai gagné 2 en venant jusqu'ici. Donc le jeu se moque de nous. Le jeu se moque de nous. Voilà, on a pas d'autres mots. Bref, aujourd'hui, il faut beaucoup de galdes pour. Non, me dis pas que. T'as pas sauvegardé. Me dis pas que. T'en as 3. Oh non, j'ai pas pris la bonne save. J'espère que t'as sauvegardé quand même celle avec les 15 galdes. J'espère que j'ai. Effectivement, sauvegarder celle avec les 15 galdes. Peut-être elle en fait. C'est bien, on va devoir refaire le donjon. C'est bien, on va refaire le donjon ensemble. Regarde déjà si t'as les 15 galdes. Les 15 galdes, c'est une chose. C'est plutôt. Est-ce que. C'était vraiment là? Ouais, je les vois. Ils sont là, les 15 galdes. Ok, non, ils sont là. C'est un fail incroyable. Hein. Ah, c'est exceptionnel. C'est génial, ça fait plaisir. C'est exceptionnel. Ok, bon. D'accord, c'était donc cette partie qu'il fallait prendre, bien sûr, évidemment. C'est bien. Bon, bah, vous voilà. Savez... Mets le jeu en facile. On repart, donc, pour Gamelon, pour l'aider. Non, on mais prend la bonne team aussi. Mais non, mais je prends cette team, comme ça, les autres, ils gagnent moins d'ex, là, parce que c'est pas possible. Mais moi, je veux pas forcément jouer Flynn. Mais tu peux jouer Judith. Donne-moi Ripide. Non, mais si tu veux pas que je joue... Enfin, ouais, je peux jouer Judith aussi. De toute façon, on est au niveau max, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de plus? C'est niveau 200, max. Ils sont des... Ouais, non, je sais pas. Tant pis, bon, peu importe. Bref, bon, c'est pas grave, on va montrer le chemin le plus rapide. Mais oui. On va vous montrer le chemin le plus rapide pour y aller, donc... je vous conseille de passer par la gauche, effectivement, c'est sympa de passer par la gauche. Ah oui, d'accord, ok. Oui, bah, en même temps, ça aurait Et dû... Du coup, pourquoi j'ai Judith si toi, tu joues même pas Patty? Je t'ai dit de me mettre Ripide et tu me mets Judith quand même, c'est génial. Bah, je peux la changer, c'est bon. Tu vas t'entraîner à jouer Ripide. C'était ton rêve après tout. Viens là, Flynn. Eh, honnêtement, Flynn, il est pas si mal que ça à jouer finalement. Merci Sulfuro pour l'abonnement. Merci Sulfuro. Et de 10. Bref, voilà, c'est le moment où finalement on pose déjà les questions en fait. C'est déjà le moment fort aux questions parce que bon, au final, je ne sais pas. Tu joues? Ouais, non, c'est vrai. Après, tu dis foire aux questions, mais. Mais est-ce que tu arriveras à les lire? Mais bien sûr, ça va, on est en facile, c'est bon. Non, mais honnêtement, le chemin de gauche est pas si mal en fait. Bah, je crois que c'est peut-être carrément le chemin qu'on a pris dans le dernier essai qu'on avait fait déjà dans le. Bah, déjà, ça finit sur Alexei. Ouais, ça finit sur. Tranquille. Du coup, c'est pas mal, il y a pas mal de boss de ce côté-là et les maps sont pas trop. Ah ok, c'était ça. Et les maps sont pas trop longues, alors c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est sympa, passer plutôt par là, c'est cool. Sachant que les boss, voilà, ils donnent des fogals et les coffres aussi. Bon, on va pas ramasser les coffres, ça ne sert à rien. Oui. Mais d'ailleurs, cette sauvegarde, c'est quoi en plus? Parce que cette sauvegarde a 3 galdes. Ça veut dire qu'il y en avait qu'un.
Mais oui, mais je comprends pas, on n'a pas fait un run avec... Bah non, jamais. Mais jamais. Elle, non, elle est très... Elle, non, mais là, c'est encore là, des sauvegardes bizarres. Oh non, mais non, mais là, c'est... On va bien, merci. Vous avez mangé quoi ce soir? On a mangé une salade de pâtes. Avec des betteraves en plus. C'est une salade supplément salade, c'est pas mal. Mais c'est pas une salade, les betteraves, c'est juste des betteraves. Ah oui, ben t'appelles ça comment alors? Des betteraves à la vinaigrette. Des betteraves, c'est une salade. Non, c'est pas une bien salade. Bien sûr que si, c'est une salade. Salade, c'est soit le légume salade, soit un mélange de choses, et donc c'est des salades. Mélange de choses, donc un mélange de betteraves, de vinaigrette. Et c'est tout. Et c'est enfin, un mélange par bonde. De salade, de vinaigre balsamique, d'huile d'olive et de... Moutarde. Moutarde, voilà, merci. Je suis super content, j'ai réussi à avoir mon Flambino Shiny pour le DLC. Ah, bien joué. Moi, je suis toujours dans l'hésitation de savoir qu'est-ce que je vais jouer, en fait, demain. Moi aussi, c'est... C'est pas mal, tu vois. J'hésite entre trois teams différentes, alors il va falloir que je me décide. Moi, c'est bien, j'hésite entre aucune team, parce que pour l'instant, je n'ai absolument mais aucune... Mais moi, je vais te faire ta team. J'ai une idée. Tu me fais ma team, je te fais ta team. Et si on n'est pas content, bah, on s'arrange. Mais si on comme ça, c'est bon. On s'arrange. Bah, non, mais je sais pas encore sur quelle idée partir. Ça me donne faim. J'ai envie de manger un curry. Mais je dois avouer que là aussi, moi aussi, je commence à avoir envie de manger un curry. Mais il nous en reste plus qu'un. Ah, je croyais qu'on en avait zéro même. Non, non, il nous en reste un. Du coup, là, il faudrait que je réfléchisse à comment on mange notre dernier curry. En parlant de DLC, vous avez trouvé une heure précise? Bah non. On peut pas savoir en fait, parce que le DLC, il n'a pas d'heure précise à laquelle il sort. Il n'a pas d'heure précise de sortie. Et puis plus, après, il faut le télécharger. Et en plus, il faut qu'on le télécharge. Parce qu'on l'a toujours pas en fait. Ouais, donc du coup, je sais pas, honnêtement. Honnêtement, il y a vraiment pas possibilité de mettre une heure précise. Il y a beaucoup trop de variables inconnues. Je suis désolé, j'aurais bien aimé. On aurait bien aimé, ouais, effectivement, vous donner une horaire aussi, mais. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un stream demain. Demain, voilà, on streamera le jeu. En espérant qu'on est bien demain. Oui, il y a ça. Parce qu'il y a ça aussi, techniquement. Donc... Après, tu sais, il y a nous, genre, on se réveille à 18h. Et hop, c'est fini, c'est raté. On de quoi? Imagine, on se réveille à 18h, là, c'est fini, c'est raté. Ouais, ben, dans ce cas-là, il va bien... Ce soir, c'est nuit blanche. Il va bien falloir, oui, voilà, passer... C'est qui est paralysé? C'est Raven. Raven the Great. Il va bien falloir passer à autre chose, entre guillemets, si je puis dire, et passer en arrière-plan au rendez-vous du mercredi soir. Mais je le crains. Je le crains beaucoup. Si ce n'est pas possible, bien sûr. Je le crains beaucoup. J'espère que non. J'espère que non. Donc, facteur bien satisfaisant. Du coup, voilà. Moi, après, ça m'arrange, hein. Plus ça va être tard, plus j'ai le temps de réfléchir à quelle team je oui, choisis. Oui, voilà, tu vois, donc bon, c'est pas tant un mal que ça. On n'aurait pas changé vraiment de perso, c'est juste que, bah... On va éviter de les rendre tellement forts, les personnages, que... Du coup, on joue avec des persos plus faibles. C'est déjà... Enfin, plus faibles, qu'on n'a pas joué, quoi. Ils sont niveau 95 et pas 99, c'est un peu... Je veux dire, c'est déjà assez indécent comme ça, les combats, là. Je veux dire, il y a une scénette pour se moquer des ennemis, parce qu'on est overlevel, quand même. C'est incroyable. C'est incroyable, ce jeu. C'est indécent, mais là, je veux dire, voilà. Je sais même pas ce que c'est, ça, mais c'est rigolo. Ça permet d'éviter toutes les attaques pendant, on va dire, 2 secondes, un truc comme ça. Ok, bah c'est moi qui... Tu peux pas prendre 2 coups pendant 2 secondes. Moi, j'aime bien attaque tornade de Ripid. Mais il est cool à jouer, Ripid. Ripid, il a l'air vraiment d'avoir plein d'attaques cool. Vous êtes le fun avec les Fogals. Bah, du coup, oui, c'est bon, maintenant. Tout va bien. Oui, enfin, techniquement, voilà, si vous venez d'arriver, on était déjà censé être prêts, mais on va mais dire... Mais en fait, on n'était pas prêts. Mais en fait, voilà, des malheureux incidents se sont révélés que... Il y a trop de save. Trop de save, non, mais là, je m'y perds moi-même. Déjà, j'en ai écrasé une. Tu peux une. Pas en supprimer? Si. J'en ai écrasé, moi, une déjà, malgré moi, juste avant le stream, en fait. Regardez. Un ennemi. Regarde, lui, il va pas mourir en 2 secondes. J'ai quoi, moi? Je me gratte. Tu voles des trucs, en fait. Ah, d'accord.
Mais il a rien à voler, je pense. Oui, bah c'est sûr. Donne ton Fogald. Donne ton Fogald. T'imagines, tu peux gagner des Fogald comme ça. Eh, franchement, ça serait pas mal, ouais. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'imagine que j'ai pas mis de skill sur les côtés. Non, bah non. Il a pas les stockades Sony ou un truc comme ça, non? Non, mais il a rien de mis. Salut, Flynn. Voir Raven, ça me rend heureux. Ah oui, tiens, d'ailleurs, en parlant de Raven... Alors, je sais plus, honnêtement, si on en a parlé en stream, ou si toi, tu me l'as juste posé en dehors du stream. Tu me demandais si quelqu'un avait le pouvoir de contrôler le... Oh, bon, bah... Eh, ah, vous vouliez plus jouer avec les autres persos? Attends, Carole. La question a été posée en stream et elle a même été répondue, en fait. Ouais, et eh ben, Raven, il a... Ah, je suis Estelle. Raven, il a le pouvoir de contrôler le temps, en fait. Oui, mais je savais. C'est vrai? Mais ça a été répondu en stream. Bah oui, mais moi, je savais pas, donc... Il fallait lire le chat. Oui, bah, je pouvais pas. Mais je suis sûr d'avoir lu le commentaire. J'aurais pas lu le commentaire. Moi, j'ai dormi depuis. C'était en stream, bah oui. Bah, c'est pas grave, dans tous les cas, voilà. Je réponds à la question. Cette fois-ci, ça vient de ma... Ah, c'est mieux, alors. De vive voix. Et je crois que, du coup, il y a que 3 personnages dans le Tales of qui sont capables de faire ça. Enfin, jouable, j'entends. Raven, Luger... Ouais. Du cœur, il a pas time stop, time flow, machin là. Oh bon? Non mais lui, il a un autre truc encore, mais. Bah je suis sûr que Luger il peut contrôler le temps. De toute façon, Luger il contrôle le temps. Luger, de toute façon, il fait tout. Mais oui. Luger et le seul truc qu'il sait pas faire, c'est le café, tu vois. Mais encore? Je suis pas sûr. Je suis sûr qu'il y a une scénette où il fait du café, c'est obligé. L'eau a lu, mais oui, mais j'en suis sûr que je l'ai lu. Oui, mais non, mais peut-être. Je vais avoir 22 ans le 24 juin. Bien joyeux anniversaire. Alors du coup, qui contrôle le temps? Patty? Bah en fait, Patty, oui, du coup, indirectement, mais elle fait pas partie des trois, mais je me souviens pas des noms des deux autres. Ah bah bravo. Bon, ben... Patty, Luger, Raven, c'est bon. Patty, Luger. T'imagines dans Tales of Vesperia 2, ils font comme Xillia 2 et tu peux jouer Duke? Bah c'est un peu comme jouer Gaius dans Xillia 2, en fait, non? Oui. Waouh! Luger, c'est une vraie machine. C'est une machine à café! Machine à café! Tu mets une capsule du temps dedans, paf, ça te fait un café! C'est trop bien! Bah alors, pourquoi j'arrive pas à faire mon chien Sonic? Le chien Sonic, il est où? Comme ça, sur le côté. Mais il est sur le côté, du coup! Oui! Mais tu me disais, y'a rien sur le côté! Non, j'ai rien sur mon stick! Ah! C'est pas grave ça! Ah tu sais, moi depuis le début du jeu, je ne fais que spammer la même attaque. Hein. Oui, je sais. je sais. Moi, je joue Rita encore à corps, bien sûr. T'as bien raison. Voilà. C'est au sein de... Minta a accès à des pouvoirs temporels également. Qui ça? Mist? Ah ouais, mais c'est vrai que Mist, mais ouais, mais du coup, elle était pas dans la liste, parce que c'est pas la même attaque, ouais, non, ok, d'accord, bon, j'ai rien dit, ok, Mist. Y'a beaucoup de gens qui peuvent contrôler le temps. Ouais, mais Mist, je crois qu'elle... Bah ouais, mais Mist, elle est jamais jouable, en fait. Enfin, elle est jamais jouable dans son vrai jeu. Donc, parce que, attention, on va me dire, si, elle est jouable dans Tales of Versus, machin, truc. Ouais, parce que d'ailleurs, si vous savez pas, mais à la base, dans les Tales of, vous pouvez pas jouer d'autres persos, en fait. Oh. Dans Fantasia et Destiny, tu peux jouer que le héros, donc Kles et... Et j'ai oublié son nom. Je connais que Kles, alors je peux pas te dire. Je connais pas grand chose au premier Tales of. N'inquiète pas, le héros il est blond aussi. C'est Kles numéro 2. C'est Kles numéro 2, mais c'est Kles Super Saiyan parce qu'il a des cheveux qui parlent dans tous les sens. Mais c'est comme ça qu'on doit Gerita en spamant Fireball. Tu veux des skills? Écoute, mets-moi n'importe quoi et puis je jouerai avec. Hein. C'est vrai. T'as le chien démon? Non, j'ai pas le chien démon. Tiens, je vais te mettre chien démon, c'est quand même mieux que voler, tu vois, ça sert à rien. Mais je te permets pas, pourquoi je pourrais pas faire le larcin? Oh, lance de lumière, moi j'aime bien le nom, je veux ça. Mais tu l'as pas déjà? Ouais, si. Ah bah si. Bon bah. Ah, lance de lumière, vous avez dit là, moi lance je lance démoniaque, veux... maintenant. Tiens, punition, lance démoniaque. Attends, il me faudrait des trucs. Retour du chien de l'enfer, ça c'est... Ah ouais, c'est trop bien. Moi, une dernière, mais avec... Ouais, voilà, alors, il y a... Nature tourbillonnante. Nature tourbillonnante. C'est bien ça. Merci pour l'abonnement, Coluto. Je prends tout ça. Attends, moi, je vais prendre un truc aussi. C'est très important, les noms d'attaque. Oui, c'est super, dis donc, hein. Ah, ça, c'est moi qui ai fait ça.
Mais franchement, je vois pas pourquoi tu veux changer. Mais elle était très bien, mon set de Rita. Mon set de Rita, spirale embrasée, spirale embrasée, spirale embrasée, spirale embrasée, spirale embrasée, spirale embrasée, spirale embrasée. Mais il est super joli, ce skill. Ah oh, bah, j'en doute pas. Salut Koluto, merci tiens, pour l'abonnement. Tiens, va affronter le giganto. Regarde, je vais faire un combo. Ah ouais. Ça, c'est quoi? Il a pas un skill qui s'appelle feuille tombante ou je sais pas quoi, rapide. Si, je crois. J'ai même pas l'impression de toucher le monstre. Mais oui, mais avec rapide, il est ignoble ce monstre en fait. C'est pas grave, je fais des sauts. Bah déjà avec Patty, j'y arrive pas à le toucher, tu vois, donc... Qu'est-ce que ça doit être avec rapide en fait? Bah je fais la lance de lumière, regarde. Hop, c'est bon, pas de problème. Bah il est déjà mort, tu vois, pas de problème. Pom, 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 pom. Magnifique set. L'eau, elle est très originale dans ces sets. Mais de toute façon, je faisais que deux attaques avec Rita, j'avais pas besoin de plus. Mais si, maintenant, tu peux faire Tidal Wave. Oui, mais il n'y avait pas Tidal Wave au moment où j'avais joué Rita. Pouvoir fort d'amis, merci. Vous avez vu le nouveau Kingdom Hearts? Non. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu, effectivement. C'est un Kingdom Hearts jeu de rythme. Oh, trop bien. On imagine que ça sort sur mobile. Mais non, ouais, j'en ai entendu parler. Enfin, j'en ai entendu parler vite fait. Hein, oh, c'est l'attaque de Zaggy. C'est la tour de Zaggy? Mais non, mais une attaque de Zaggy. Ah. Ah oui, le truc, ouais. Oui, il regarde fait ça. Ça là. Poum, le chien de l'enfer. Bah, techniquement, la lance de lumière, il le fait aussi, Zaggy. Ah, je vois. Mais Zaggy, il a l'air trop bien à jouer. Et sinon, il y a Kratos aussi qui fait la lance de lumière, si tu veux. Mais Kratos, je m'en fiche de lui. C'est pas gentil pour Kratos, c'est le papa de Lloyd quand même. Je m'en fiche de Lloyd. Je m'en fiche de Lloyd. C'est pas gentil pour Lloyd, c'est l'ami de Colette quand même. Dire... Je m'en fiche de Colette, c'est pas gentil pour Colette, c'est la fille de Paul. Non, Franck, non, j'aime bien Colette quand même parce que elle a des ailes trop cool. C'est parce qu'elle est mignonne, Colette. Pauvre Estelle. Estelle par terre. Estelle copter. Salut Little Okari. C'est Kingdom Hearts, donc tout a des histoires importantes, même les jeux mobiles. Bah oui, mais de toute façon, voilà, ils vont vous faire un truc de fou là avec leur jeu de rythme. C'est incroyable, faudra faire que des rangs S si vous voulez avoir la fin secrète. En méga hard, bien sûr, on n'oublie pas. Qu'est-ce que je fais juste à côté d'Estelle? De toute façon, elle est tout le temps par terre. La pauvre Estelle! C'est encore alors... pire que quand c'est nous qui jouons, en fait. Oui, je trouve aussi. En fait, eux, ils sont sur le côté, mais ils sont encore plus hargneux. C'est pas parce que on se bat pas que... Voilà, hein. Au caribou. Il y a une histoire à passer sur Kairi alors qu'il y a un autre jeu Kingdom Hearts sur Xehanort dans un temps réduit également. Ah, c'est parce que Kairi on la voit pas assez. Depuis le début, il a fallu attendre le DLC du 3 pour qu'elle fasse un truc quand même, donc... Oh, je suis stun! Regarde, Flynn il fait chichi 5 aussi. En fait, de toute façon, c'est forcément un truc de bourrin, puisque comme il y a Rita dans l'équipe. Oui! À partir du moment où il y a Rita, c'est fini en fait. Oh, oh, il a évité! Regarde là, il invoque l'eau. Incroyable. D'ailleurs, Flynn, il se la joue mage aussi. Hein. Oui, j'étais toute seule, on est d'accord! Flynn, il est en mode, c'est bon, je vais faire de la magie. Regarde, du coup, pour fêter ça, on va ouvrir ce coffre. Un peu d'argent.
Toujours à la chasse aux faux guildes. Non, non pas du tout. On a les guildes, mais en fait, on a fait un petit fail, et du coup, on est obligé de les refaire. De refaire le donjon entier, mais vous inquiétez pas, on a nos faux guildes, donc le traiteur du ciel sera présent. Il arrive là, il reste... Mais non, mais en fait, on le dit pas, mais on fait, je sais plus comment ça s'appelle, une démonstration des autres personnages qu'on joue jamais. Oui, parce qu'on les voit pas. Mais surtout donc... Rita, d'ailleurs. Hein. Surtout Rita, on la voit pas assez. On aurait pu prendre Carole, quand même. Ouais, mais on veut quand même que les combats ici n'hésitent. Oh, j'entends le bruit des cheers, Koruto. Merci, Koruto, pour les 500 cheers. Cette team de spammers professionnels pire que la team Snake Foss sur Smash. D'ailleurs, merci. Ah, du coup, on a des émotes. Les cheers de Koruto, on fait gagner quelque chose. Ouais, on a gagné 10 émotes. Enfin, pas nous, mais... des gens dans le chat. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Bah nous en tout cas on va bien. Oui, bon, ok si vous voulez. Cool, en quittant le dernier stream, j'avais peur de ne pas pouvoir voir le traiteur. Ouais mais le dernier stream c'était une catastrophe. Hein. Oh, il devrait pas exister. Il devrait pas exister, c'était une catastrophe. Il a décalé tous mes plans. Attends, quoi? Mais pourquoi c'est ça, là? Mais ça sert à rien, ça. Moi, je veux rademarrer. Il est mon rubide. Je vais bouger dans tous les sens. Peut-être je vais le trouver. Ok, je suis là. Wow. Il t'a... La pauvre. Bah vas-y, j'ai appuyé sur RT, ça marche pas. Regardez comment on est tellement abusé que même Rita, elle en a rien à faire de se prendre des coups. Un de moins. Un de moins. Je fais des combos corps à corps. Regarde ça. Nan. Attaque. Attaque on. Ben, enfin, attaque follow de... Bon, j'y arrive pas, c'est... Bon, c'est pas grave, j'arrive même pas... Qu'est-ce qu'elle fait, là? Oh, t'es en hors limite, bien joué. Oh, j'avais pas vu. 150... 10 000 tirs! Voilà, 10 000 ça, c'est une suicide pour vous, je suis fou. Oh, merci beaucoup. 150 émotes ont été offertes, incroyable, merci beaucoup. Wow. Koruto. Merci. Du coup, on doit aller manger des sushis. C'est trop bien les sushis. Nous, on est triste, hein, honnêtement, au niveau des sushis, là, parce qu'on n'a plus de restaurant sympa de sushis. Enfin, on n'en a plus, on n'en a jamais eu. Mais... Bah, bien sûr que si, quand on habitait à la région parisienne. Mmh, mmh. Et regardez, c'est l'endroit où on était au début du stream. Non, mais il ne s'est rien passé au début du stream, voyons. C'est bon. Tout réouvre normalement. T'as dit quoi, Tourou? Oui, les magasins de nourriture. Les restaurants, pardon. Ouais, mais nos restaurants, ils sont pas terribles. Mais si, on a un restaurant qui est bien, mais il fait pas de sushis. Oui, non, mais... Oui, non, mais je parle pas de restaurants pas terribles. Non, honnêtement, on a des restaurants pas si mal. Mais nos restaurants de sushis sont pas fameux dans la ville. Mais on a un super restaurant thaïlandais, lui, par contre. Ah ouais, non, franchement. Franchement, ce restaurant thaïlandais, je pense que c'est le meilleur restaurant du monde. Parce que c'est. Il n'y a qu'un cuisinier. Non, mais. Il fait tous les plats qui existent du monde. Ah, mais oui, mais par contre, en l'occurrence, si tu vas manger là-bas, faut être prêt. Hein, parce que... Si vous voulez manger là-bas, faut être patient. Parce que, bon, bah voilà, hein, comme il a la plus grosse carte de l'univers, bah du coup. Il doit cuisiner pour tout le monde. Il doit cuisiner 10 000 plats différents. C'est super bon, chaque plat est super bon. Il n'y a pas un plat, c'est pas bon, quoi. Mais c'est très long, là. Ouais, non, mais j'avoue que. Et. Des fois, on y va à 19h, on ressort à 22h. C'est dire à quel point c'est long.
Mais c'est super bon. Il est incroyable, le cuisinier de ce restaurant. Il est tout seul. Il est tout seul, il fait tout. Non, mais c'est il faut aller remanger chez lui maintenant que c'est ouvert. Parce ah ouais, que non, mais faut pas clair. Que ce restaurant meure. Ah ouais, non, mais c'est clair. Là, je me disais, il faut, dès que le confinement est terminé, il faut qu'on y aille. On y va, go. Mais bon. Oh, c'est bien, on est super pas fort. Bon, béni. Non, mais on doit changer d'arme, on avait dit. Tu veux qu'on change d'arme? Regarde, tu prends ton... Ouais, vas-y, mets des trucs où on est à moins de 2000. Non, pas trop quand même. Estelle, elle perd plein. C'est pas grave, on s'en fiche, allez. On va lui faire moins mal. On nous disions donc. Allez, le petit machin du bonheur. Oh, bah non, de plein d'argent. Et alors, est-ce que tu veux voir le doux foyer ou pas? Bah écoute, peut-être bien. Tous les gens du quartier inférieur sont adorables, ça me donne un peu le mal du pays. Et pourquoi tu parles de ça, Judith? Je lui dis, pourquoi est-ce que tu parles de ça donc? Oh, ma ville natale a disparu. Les villes natales? Ah, j'ai vécu à Spio, alors je suis pas trop nostalgique, même si maintenant j'ai plus d'endroit où vivre, mais bon, c'est pas grave. Pareil pour moi, dans le Grèce. Le château me manque de temps en temps. Vous passez beaucoup de temps là-bas. Poussé. J'ai toujours une bouffée de nostalgie quand je retourne dans le quartier inférieur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ta ville natale, Raven? Dangrest, je suppose. Hein? Mais t'es pas né à Dangrest? Ben, si notre voyage s'arrêtait maintenant, je retournerais à Dangrest, alors c'est comme si. En fait, c'est peut-être notre vraie ville natale, c'est la ville que l'on préfère. C'est peut-être notre vraie ville natale. Ça voulait rien dire cette phrase, mais on a compris l'idée. J'ai un ami fan de Tales of, ça a l'air d'être un good game. Bah non, les Tales of, c'est un good game. Ah par contre, c'est un jeu très long. Du coup, voilà, prévoyez des années. Des années, bon bah c'est clair que pour faire un jeu. Si vous voulez faire le jeu à 100%, en plus, là, c'est... J'ai jamais fait un Tales of. T'as même pas ouvert le coffre? Bah non, peut-être pas. Vous avez bien fait de venir jusqu'ici, vous avez atteint votre but. Alors on peut sortir du labyrinthe par ici? Ou alors ça mène au pays des morts? C'est à vous que se dépend ce choix. De nous? Salut. C'est lui qui dit i. Ah! Est-ce que ce type... Est-ce que... C'est de ce type que ce livre parlait? Bah, Estelle, comment tu parles? Alors, allez-vous gagner ou perdre? La victoire ouvre la porte du salut. La défaite vous mène à votre perte. La mort sera gravie. Sera ravi de vous accueillir de vos bras glacés. Les gens comme vous, on en mange au petit déjeuner, allez, c'est parti. Mais pourquoi Kratos, il dit hi 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 hi? C'est pas Kratos. Bah c'est Kratos, il dit hi hi hi. Kratos, il est gentil. Souvenir du traiteur du ciel. Voilà. Incroyable, il fait des dégâts. J'ai une petite Alba toute moche en plus. Oh, tu peux changer si t'en veux une plus jolie pour faire... Pour faire bonne figure face à... Ouais, bah ouais, carrément. Pourquoi j'ai pas pu? Parce que c'est pas les arcs. Attends, j'ai quoi qui est joli quand même? Il est joli le trident. Mais il est plus fort. Mais ils sont tous plus forts, je t'ai mis l'arme la moins forte. Ah, ok. Ah, oh, c'est stylé. Ah, oh, ça aussi c'est stylé. Ah, oh, ça aussi c'est stylé. Ah, oh, c'est trop joli ça. Putain, mais tout est fort, c'est incroyable. Ah, ça aussi c'est stylé. Mais ah, oui. Ça c'est très joli, j'aime bien. Non mais ok, hein, je vais rester sur la hallebarde toute nulle. C'est dommage que j'ai pas mon balai. Tu sais, c'est plus fort quand même le balai. Non, je sais pas, je l'aurais bien eu avec mon balai. Bon allez, c'est une hallebarde, on va pas cracher sur un balai. Hallebarde. Oh là là. Il est énervé. Il en a marre là. Monsieur Kratos. Ah, c'est à moi qu'il en veut. Ah mais oui, mais je suis... Bonjour. Qui pour mourir? Pas nous. Ah, y a quelqu'un qui subit un dommage, hein, je viens de dire. Du coup, ça a affiché que la personne qui subissait un, mais je ne sais pas qui subissait un, du coup. Mais c'était rigolo. Ça doit être Estelle. Oh, Yuri est mort, bon. Yuri, quand même, on est super haut level. Comment t'es mort, Yuri? Attends, c'est moi qui subis 1 en fait. Mais où est-ce que je vais? Pourquoi je subis 1 tout à l'heure? Je subissais des dommages tout à l'heure? Ah bah là, c'est bon, je ne comprends pas. Attends, quoi? Pas de répit pour Bref Vespéry. Il venait pas d'en faire 1 hein?
Si. Il a touché personne. C'est pas grave, ça lui fait plaisir. Mais oui, mais il me fait un de dommage. Tout à l'heure, il me faisait pas un. Bon, écoute. Il a des dommages variables, gratos, si c'est pas genre. C'est syndrome. Fling. Oh là là, oh là là, il est où? Ah, il est là. Oh, il fait que me stun quand même. Il s'affaiblit avec eux. J'adore jouer avec toi et Yuri, c'est toujours un plaisir quand le mob il décolle dans le ciel et que du coup je peux rien faire. Ah bah désolé. Si tu veux je reste par terre. Non mais c'est bon, je vais caster des sorts. Aujourd'hui vous êtes d'humeur. Bah mais lui aussi il va dans le ciel aussi donc. Mais voilà aussi c'est tentant, il va dans le ciel alors du coup. Incroyable. Oh là là. Regarde, il va me faire 1. On est d'accord que cet artwork de Kratos pour son arc mystique, c'est un vieux dessin. Je crois, ouais. Il est tout mignon. Et alors, Kratos, pourquoi il aurait pas le droit d'être mignon? Ça ne valait clairement pas la souffrance des Fogald. Tu es où là? C'est par terre. Ah ouais. J'arrive même pas à voir où je suis. C'est tellement le bazar ce combat, c'est incroyable. J'aime bien comment ça ne prend en compte que les dommages. D'ailleurs, ça affiche dans le combo mais 16 dégâts. Et moi j'ai perdu déjà la moitié de ma vie quand même. Il est tout le temps hors lune par contre. Oh, je suis en haut. Ok, je suis plus en haut. Bah, mais il t'a fait descendre, t'inquiète. Ah, cette fois-ci, c'est pas moi qui... Ah non, cette fois-ci, je subis des dommages, surtout. Mais oui, bien sûr. Il perd plein de vie, il a déjà plus de MP. Je suis tout le temps confuse. Il fait tout le temps son arc mystique, c'est incroyable. C'est un gros spammer. J'ai vu, vous étiez super fort, alors moi je fais tout le temps mon arc mystique. Bon, j'avais eu un boost de défense et tout, hein, parce que... C'est ça que j'étais. Genre, Estelle, elle m'a boosté en défense. Mais oui, c'est ça, Estelle, elle m'a boosté en défense. Là, c'est bon, il nous fait un dommage, là, maintenant. Estelle nous a augmenté notre défense. C'est bon, c'est fini. Êtes-vous prêt à recevoir 1-1-1-1-1-1? Estelle, elle est OP. Je suis sûr, Estelle, elle a même pas besoin de les avoir, c'est... C'était immédiat. Kratos, c'est le genre de personne dans les jeux de combat. Et là, c'est un Pikachu qui fait Fatal Foot tout le temps, je reconnais. Ok, moi j'attaque le vent, c'est pas mal. Ah, il est trop pénible Kratos avec ses trucs par contre. Il bouge beaucoup quand même. Sa foudre. Oui, je suis d'accord. Je suis tout le temps paralysé, moi. Non, mais... Allez, hop. Vous êtes prêts à nouveau? C'est incroyable, il l'a toujours pas fait. Ah bah voilà. Regarde ça, je vais rien subir comme dommage. Ah bah tu t'es fait un champ de force.
Comment? Comment ça se fait que tu touches? Tu as pas touché? Oui, j'ai fait un jeu de force. Ok, il est où? Il est là. Oh, ça va être... C'est la folie! Ah, oh, il a contré mon coup plus, j'allais le stopper. Wouah, j'ai perdu plein de vie. Oh, il lui a fait perdre que la moitié de ses points de vie, par contre. Bah tu sais, il suffit de changer d'arme et le problème est réglé. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, on a pas des bonnes armes actuellement. Mais oui, mais c'est pour qu'on puisse le voir un peu à l'heure. Il fait tout le temps la même chose, ça valait vraiment le coup? Quoi, tu n'aimes pas le fait que Kratos, la seule attaque qu'il connaît, c'est Arc Mystique? Regarde, il n'a même pas dépensé un seul MP. C'est fou. Même pas le toucher. Ah mais il se soigne. Oui. Le coquin. Ah bah là. Non mais là c'est n'importe quoi ce combat. C'est le plus beau combat contre Kratos que vous ayez jamais vu. Je fais des attaques sur personne parce que je me fais bloquer. Ah, t'en as marre, tu veux faire une arc mystique sur lui, toi aussi. Attention, il va la faire bientôt. Bon, faut lui faire le mahjong. Oh, il a évité le coquin. Arrête. Oh, ouais, non, il fait rien, oui. J'espère que ça va aller pour toi. Oui, non, ça va. Tu peux, ok, je suis trop loin pour subir un dommage, il semblerait. T'as pas fait ton arc mystique. Non mais je suis pas rentré en hors limite 4, je suis rentré en hors limite 1 pour spammer des arcs en fait. C'est génial. Allez viens là, Kratos, arrête de bouger dans tous les sens. Il a quand même une sacrée barre de limite hein, parce que vu comment il arrive à tout le temps le faire. Non mais en fait, lui, son arc mystique, il peut la faire en hors limite 1, et en fait, elle va jusqu'à 100. Mais il est en hors limite 4 à chaque fois, même si ça n'a aucun sens, parce que du coup, il subit pas de dommages. Ouais, quelqu'un a subi 2. On est dessus. Trop dur ce combat à voir, honnêtement. Il est difficile à suivre ce combat. Il est vraiment super rapide, Kratos. Aussi. Moi en plus, je fais mes attaques dans mon vaisseau, ça va. Ouais, mais plaisir. Moi aussi, là, j'arrête pas d'attaquer derrière là. J'ai vraiment été stun. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Ah bah si, on peut le stun du coup. Ah, on l'a empêché de faire son machin. Bravo à la personne qui a réussi à stun Kratos. Bravo. Arrêter le temps. Et ouais, comme ça, il arrête de bouger un peu. Oula, moi je suis parti. Si tout le monde attaque à un endroit random. Alors si je fais le mahjong, ça marche. J'ai dit si je... Mais toi aussi, je vois, là, tu danses au milieu du terrain. Je me cherche déjà, je me trouve pas sur le terrain, alors du coup c'est difficile.
Je vais pas demander une petite question à HS, mais lorsqu'on vous donne des bits, données seront la monnaie d'échange pour ma question. Vous pensez quoi de l'arrivée du personnage de Arms dans Smash? Eh bien, pas grand chose actuellement. Honnêtement, bah le personnage de Arms, ça me paraissait logique qu'ils mettent un personnage de Arms à la base dans Smash Ultimate en fait. Ouais, j'étais étonné qu'il n'y en ait pas. Mais finalement, bon. Bah. Du coup, bah on s'attendait à un truc du genre Rayman. Mais après, c'est sûr que bon, si on peut avoir un autre perso, je dirais pas non à Ribbon Girl. Je dirais pas non. Oh, il attaque Kestel, ça c'est méchant! Je crois qu'il était mort. Mais moi aussi! Avec des armes nulles, ça dure vraiment très très longtemps du coup. Vous avez vécu tant de souffrances dans le dernier stream, tout ça pour un traiteur, mauvais remboursement s'il vous plaît. Traiteur mauvais, mais il est très bon, regardez. Un régal! Il fait des délicieux. Ah oui, oui, bah effectivement. Non mais sérieux, il est tout le temps hors limite aussi. C'est... Moi ce qui m'impressionne c'est oui, c'est qu'il soit toujours hors limite. C'est... Il sait même pas qui attaquer d'ailleurs, hein. Il change de cible tout le temps, genre. Ah oh, Estelle, ah oh, non Yuri, ah oh, non, Patty. À cause de ça, des fois il rate des arcs mystiques. Oui aussi d'ailleurs. Oh il m'a fait un combo de. Oh bah on est même mort, ok. Ah tu vois, vous finalement, voyez, quand même là, finalement. Hein, vous dites machin. Oh, Estelle est hors limite, incroyable, Estelle est énervée. Mais je pense que la prochaine fois que je vais espérer, je fais ça, je joue un personnage qui peut entrer en hors limite tout seul. Ah, tu vas jouer Yuri? Non. Non mais oui, mais j'avoue, il fait plus mal que tout à l'heure, là, ça y est, il est devenu fort, alors, incroyable. Oui, non, là, il fait vraiment mal, là, actuellement. Ah, on va changer d'arme. C'est quoi, là, il a... Oh, il a fait une barrière magique! Ok, Yuri, il est au taquet, hein, genre. Ah oui! Le truc vert est apparu! Moi, c'est bon, j'ai déjà attaqué. Dommage que je l'ai raté avec le truc vert. Bah oui, mais moi non plus, hein, je veux dire. Yuri, il l'a vu, il l'a fait direct! Ok. Ah, t'es là. Estelle, pendant ce temps, au fond, en train de dormir par terre. Oh, je suis morte. Maintenant, quand il fait son hors limite, faut que je m'en aille. Maintenant, il tue, oui, je vois. Allez, vas-y, Estelle. Bon, je voudrais me soigner quand même. J'ai le droit de me soigner? Non, c'est je ne fais que des attaques. Incroyable. Oh, je suis normal. Ah mais c'est pour ça du coup que je faisais pas de sang. Oh déjà, ça veut dire que je vais mourir. Oh, purée, mais oui, mais il fait de plus en plus mal. Et tout le monde est mort là, je pense. Oui. Zut. Oh les Majinken. Par contre, il se redonne plein de HP. Est-ce qu'au bout d'un moment, on va pas être bloqué? Non, ça va, il... Mais
Mais attaque Mais la magie, ça se fait pas. C'est pas gentil, ça fait le saut au lieu de faire attaque. Je me sens un peu arnaqué, là. Je me sens quelque peu arnaqué. Ah, mais non, d'accord, c'est parce que j'ai plus de MP. Oui. Non, mais pourquoi je suis dans une autre... Moi, tranquille. Ah voilà, regarde, je vais restaurer les MP. À la base, j'essaie juste de faire ça. Je l'aide aussi à voler, moi. Merci, c'est gentil. Oh non, je suis stun. Je fais une barrière magique. Ah oui, comme ça. Désolé, j'ai fait une barrière magique sur moi. Oh mince, j'aurais pas dû venir. Aujourd'hui, à qui vous ressemblez le plus? Ah bah aujourd'hui, à personne en particulier, je dis. Ouais, je ressemble à mon personnage Ocarinite. Bon, Yuri, rien à faire. Est-ce que ça veut dire que si demain je joue au DLC de Pokémon Épée Bouclier, je dois faire un chignon? Qu'on fasse des chignons, je vois. Bon, par contre, effectivement, ses points de vie ne diminuent pas. Hein, je. C'est vrai? Oui. Et ça a même monté, en fait? Oui. Bon, on va mettre des, on va mettre de l'équipe. Oh dommage! Finalement, il est pas si nul que ça, le petit Kratos. Au début, il était sympa et ridicule même, mais... Oui, non, mais je sais pas, au début, il était pas en forme, je crois. D'accord, ok. Hein, tu veux qu'on fasse le combat au corps à corps, mais tout à l'heure tu voulais pas, alors... Gardez MP pour vous. Trop bien. On voit rien. C'est son combo préféré. L'eau se ressemblera à Judith si elle s'est fait un chignon. Mais je peux pas faire un chignon comme Judith, j'ai pas assez de cheveux pour l'instant. J'ai pas assez de Fais ton skill. Oh, il était mort, Yuri. Que c'était moi qui faisais l'art explosif, j'étais en train de me dire, mais je suis quoi, en limite, tu peux pas faire l'art explosif. Regarde là, on lui a fait perdre... ça descend. C'est bien, on est exactement sur la même ligne alors du coup. Ok, c'est pas ce que je voulais faire comme skill. T'inquiète pas, j'ai sauvé Yuri. Ah non? Bon bah non, je... Oh, on est mort. Oh, t'as évité les... C'est toujours Yuri qu'on sauve en premier. On pense pas assez à...
Ne tuez pas quand je suis morte, s'il vous plaît. Vous t'inquiète, il s'est soigné, là. Il reste encore 200 000 points de vie. Moi, j'aime bien quand Estelise, elle caste ses sorts, parce qu'on dirait qu'elle fait du violon. Elle fait du violon. Ok, je suis où, là, je... Mais pourquoi? Je vais me faire avoir à tous les coups. Non. Bravo. Il y avait personne. Oh, il m'a eu. Oh, il m'a eu. Oh, il m'a eu. Oh, tu vas mourir. Non, tu es pas notre capitaine. T'inquiète pas, je ne meurs vraiment jamais. Oui, je sais. C'est grâce à Safer. Il est grâce mort. Grâce à Safer. C'est grâce à Safer qu'on est mort. Bon, ok. Finalement, wow. C'était pas une bonne idée de retirer les armes. Hein. Non, mais au début, ça allait. Puis après, hein. Ah, vous avez même détruit l'hologramme du guerrier, c'est inconcevable. Hihihi. Regardez, vos tours ne peuvent plus rien contre nous. Maintenant, montrez-vous. J'ai dit, montrez-vous. Calme-toi, Rita. Qu'est-ce que c'est que ça? Lettre de défi. De légende. Remplissez votre mission avant la mort. Ok. Vous croyez pas qu'il s'agit de la fin? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ignore, mais on dirait qu'on a un problème. J'imagine que ça veut dire qu'on n'aura pas fini avec lui. Il y a pas une sortie droit devant? J'en suis pas sûr, allons voir. Quoi, ça veut dire qu'on va devoir refaire le labyrinthe? Bah ouais, trois fois encore. À chaque fois, on affronte quelqu'un de différent. Bon, je rigole, bien sûr. On est obligé de le faire qu'une seule fois. Mais c'est important pour le Colisée. Bravo. Du coup... J'espère que t'as pas besoin de changer de partie, du coup. Ah si, si, j'ai besoin de changer de partie. Ah bah bravo. T'as l'air prêt. Phew, le ciel soit loué. Oh, moi qui avais envie de m'amuser encore un peu. On devrait revenir, non? Pour essayer un autre trajet la prochaine fois. Tu n'es pas drôle, arrête ça. Moi, j'aimerais savoir quand même à qui appartient cette voix. Aucune idée. Un fantôme, probablement. Je vous l'ai dit, les fantômes, ça n'existe pas! C'est sûrement un vieux mage débile qui s'amuse à créer des illusions pour que les gens qui viennent se perdent. D'accord, restons-en là. Bonne idée, sinon Rita va être d'humeur massacrante toute la semaine. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Pour notre argent, peut-être? Sûrement pas, vous avez vu combien il nous a donné? Je trouve ça bien que le monde abrite encore des mystères. Oui, je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, tirons-nous d'ici, on a passé assez de temps dans cet endroit. Ah bah là c'est clair, hein. Ah, je trouve aussi, on ferait mieux de filer avant de tomber dans un autre labyrinthe. Ah bah vous savez pas, vous avez pas idée. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette première vidéo de YouTube, je pense. Oui, c'est vrai, après tout, ça a bien duré finalement. Bref, au revoir YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut YouTube.